et un tir au but manqué. Et un deuxième sur la transversale. Idem pour le troisième. Nîmes Olympique est éliminé dès le premier tour de la Coupe de la Ligue. Châteauroux l'emporte 3-1 dans cette série des tirs au but. Je ne parle pas de malchance ou non-réussite. Non, aujourd'hui on a des lacunes offensives devant le but. Voilà. Et au football, vous pouvez être vous pouvez avoir le ballon, vous pouvez dominer ou machin, si vous ne les mettez pas au fond. L'année dernière aussi, il y a eu une période où on ne marquait pas de but. Mais on avait une attitude différente, je trouve. Voilà. Tout avait pourtant bien débuté pour les Crocos qui se créent une première occasion par Alioui. Dominateur, ils ouvrent même le score à la 20e minute sur ce corner. Tête décroisée de Renaud Ripard qui trompe le dernier rempart des Castelroussins. 1-0 à la pause. En seconde période, selon l'expression consacrée, les Nîmois auraient pu tuer le match. Sur une superbe action collective, Diabaté centre. Alioui est à la réception mais sa frappe ne trouve pas les filets. Moins entreprenants et peu efficaces, ils vont petit à petit laisser le monopole du ballon aux joueurs de Châteauroux. Ballon piqué de Kevin Dazneves pour l'égalisation. La suite, vous la connaissez, Nîmes s'incline au tir au but. C'est un peu à l'image du début de saison de l'année dernière, c'était pareil. On faisait quand même des bons petits matchs, mais on ne rapportait rien parce qu'il nous manquait cette efficacité. Et ce soir, c'est aussi un peu ce qui nous a manqué, mais je ne me fais pas de soucis pour la suite. La suite, c'est lundi 15 août. Nîmes Olympique recevra Lens à l'occasion de la 3e journée de championnat et pour une première victoire tant espérée.